Eh bien, salut tout le monde, c'est Nord, on se retrouve pour faire un speedrun, toujours pour notre petit speedrun là. Et donc lui, je voulais juste voir combien il en donne. Enfin, combien il en demande? 600. Oh, allez. Bon, plus tard, je ferai un épisode bonus, vous savez quoi. Voilà, où on fera tous les grands Fuluma. Donc aujourd'hui, on continue notre petit speedrun sur Super Mario Galaxy, allez, c'est parti. Du coup, boss! Boss de fin. Tac. Boss de fin de stage. Ok, alors, usine de vaisseau. Seul contre la flotte de Bowser. Ok, la flotte. Ah, j'ai l'impression qu'un coup sur deux, c'est bébé Bowser, Bowser, bébé Bowser, Bowser, bébé Bowser, Bowser. Alors, voyons voir ce qui se passe. Ok. Tac. Merde, j'ai pas de... Ok, oula! Ok, je suis désolé, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse! Mais lâchez-moi! Wow! Mais what? On se fait agresser! Ok, attention. Tiens, tu meurs, mais tu meurs. Ok. Salut, non mais toi ta gueule, voilà. Putain, on s'est fait agresser, qu'on arrivait, on n'a même pas eu le temps de se poser, que là, blam! C'est quoi ça? Ras-le-bol. Tiens, et eh oui, je sais pas viser, alors? Hop! Voilà, speedrun. Tac, tac. What? What? Mais des Robocop! Yeah! Speedrun, hein, vous avez compris. J'ai eu vraiment de la chance. Pour le coup. Besoin de quelque chose ici? J'aurais pas assez. Peu importe qui me demande, j'aurais pas assez. Salut, Bugs. Et non, tu viens pas avec moi, s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah, de l'esquive. J'ai compris. Tout se passe bien. Oula, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Tu vois vraiment, quand il y a plus que c'est comme ça, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Tu veux la grande étoile, hein? Alors il faudra me la prendre, The Force. Bien, pas de problème, écoute mon vieux. J'ai compris comment tuer toi. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai une connerie, mais bon. Attendez. Hop. Qu'est-ce qu'il faut tirer? Faut le toucher lui? Non, parce que ça fume, donc c'est juste qu'il faut viser son bateau. Non mais lâche-moi toi, saloperie là. Non mais vous êtes sérieux, c'est ça le boss? What? Problème! Les mecs, on a un problème! Non mais c'était mon copain. Ok, problème, on a un sérieux problème. Ta gueule! Merde! Gueule! Ok, toi tu te calmes là déjà. Ok. Toi aussi, s'il te plaît. Aïe merde! Waouh, ils sautent en l'air Mario là. Merde. Ah, ça a passé presque. Oui. Aïe, c'est quoi ça? C'est un coup pique ou pas? Merde, oulala, ça commence à être hardcore. Oulala, oulala, oulala. Faut juste plus se faire toucher là. Plus rien du tout. Attendez, non, moi je peux pas me permettre de... Non. Attendez, tac. Ok, en fait, au final, il est hardcore. Faut sûrement retoucher trois fois. Merde. Bon, toi, tu me casses les... Hein? Bon, tu casses les bonbons. Je veux du ça. Du sang. Mais il veut pas se calmer deux secondes, lui. Mais c'est quoi ce psychopathe? Eh mais sérieusement. Le mec, il a 3 ans et il sort des armes de ouf. Sérieusement quoi. Quel monde vit-on? Et tout ça pour ça. Putain, c'était une bonne occasion là. Ok, attendez, ouais, ça me saoule. Ça me saoule. Non, non, non. Mais arrêtez. Mais lâchez-moi. J'ai plus qu'une vie. Ok, là j'ai plus qu'une vie, ça devient sérieux.
Non. Ok, Koopi Koopa. Oh non, vous êtes sérieux? Ok, bon, on l'a refait. Tant pis. C'est dommage. Et toi, ta gueule derrière ton écran. Je ne veux pas savoir, ne dis pas. Oh, il est nul. Voilà. Merci. Je trouve un bon endroit, là, je crois. Pratique, hein. Casse-toi. Hop, hop, tac. Ok, bon, on peut pas le passer? Non. J'ai vraiment coriace, moi là, je vais m'occuper de toi, j'attends des toiles, il faudra prendre de force. Ok, on connaît maintenant. On connaît tes combines, bébé Bowser. Merde. Rentrez-vous dedans, rentrez-vous dedans, rentrez-vous dedans, rentrez-vous dedans. On connaît tes combines, bébé Bowser. Combien de fois j'ai dit cette phrase-là? Je suis un Kamek. Kamek. Aïe. Ça commence à faire mal. Arrête de chialer. Il veut pas se calmer deux secondes. Mais c'est quoi cet enfant de salaud? Il est né pour faire chier le monde. Non mais là. Non mais là on se calme deux secondes. Ok. Voilà. Une pièce. Pièce pour rien, putain. Là, pièce. Là, pièce aussi. Ok, nous avoir notre vie régénérée. Régénérée, pardon. Tiens, bouffe. Merde. Ah, pourquoi les carapaces, je pensais que c'était plus résistant que ça quand même. Moi les carapaces, c'est une grande histoire d'amour, hein, on peut le voir. Actuellement à l'écran. Voilà, par contre, c'est en train de se vénère. On se calme. L'enfant se calme. Ah, c'est fini? Holy shit. Ok. J'adore ce calme. Oh yeah! Ha ha ho ha! Bon bah c'est super. Ah génial, une étoile de plus. Ah c'est génial. Allez, on a 4 étoiles sur 6 et on a accès à la chambre. Et qui j'espère qu'on a accès directement au boss. Parce que là je me gêne pas. Direct. Bien. 29 étoiles. Bien. Je sais pas pourquoi mais je sens que le boss... Je sens que le boss ça va être un truc du style... Grâce à toi des amis, les dômes et l'étage inférieur. De plus, si la salle des machines de l'étage supérieur réactive, le sénateur de la comète pourra de nouveau voyager entre des galaxies comme un astronef. Ah, donc il ne manque plus beaucoup de choses. Ainsi nous pourrons nous rendre au quart de l'univers où... Ou t'attends celle qui t'est chère, d'accord. Eh bien, pas de problème. Eh bien, oui. Bon. Ben, tout va bien. Tout va très, très bien. Alors, ça aussi, je le ferai pour un épisode bonus. On va juste voir. Ah oui, lui. Attendez. Je sais pas si on peut toujours le faire, parce que je me rappelle quand j'ai déjà fait un 100% sur ma galaxie, donc... de mon côté, bien sûr, je parle. Lui il se transforme en un truc, je ne dirais pas sur en fait, mon secret. Son secret en fait c'est d'avoir un espèce de pouvoir qu'il nous donne dans l'astronef en fait qui nous permet de voyager à travers pas mal d'univers. Alors ça. Oh et quoi ça? C'est quoi ça? Je connais pas ça. Enfin je me rappelle plus. Parce que je devais connaître, mais je me rappelle plus. Ça me dit quelque chose pourtant, ça me dit vaguement quelque chose. Alors. Ah 33. Oh. Oh. Il a l'air cool celui-là. Allez, c'est parti.
c'est parti, c'est plutôt cool aujourd'hui. Du coup, on va faire les 4 étoiles, on va faire 4 étoiles de cette galaxie-là. Là, c'est 33 étoiles, donc je pense peut-être que pour l'autre, ce sera 40. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. J'ai pas compris. D'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, faut céder du vent. Quand on retombe dans le vent, faites faux. En vrai, vous avez capté. Aussi bien que moi, je pense. Tout aussi bien que moi. Y'a quoi? Ah, y'a ça. Oh, c'est classe. Hop. Regarde. Et là. Schlack. 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 Le dernier est plus puissant, j'ai l'impression. Hop. 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 C'est hardcore. Il y a des fleurs sur celle-là. Quoi? Attendez, vous êtes marrant, je fais quoi moi? Ok, je pense avoir compris la manip. Il y en a une des trois qui a donné une liane. Il y a intérêt pour elle. Que toi tu me donnes une pièce. Toi aussi. Donc toi tu me donnes une liane, puisque t'es sympa. Hein. Merci, t'es super sympa, JP. Et alors. Bonjour Rosti. Rosti pour ceux qui connaissent Animal Crossing New Leaf. Ou même les anciens. Bon. Hop. Sors ton trou. Ah, ça prendra le respect. Wow, je pensais pas qu'on pouvait faire ça, vous voyez. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien refaire les jeux, parce qu'on sait jamais. On apprend toujours plein de trucs. Ok. On lui fait pas elle. Non, on se calme. Yeah. Voilà. Hop, 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 hop. Ça mène où? Ah, strictement rien du tout. Super, je suis coincé sur cette île de merde. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'était ça, c'était une arnaque en fait. C'est une arnaque. Oui, je vais... Qu'est-ce qu'il y a, toi aussi, t'es une arnaque? Aïe. Très bien joué. Aïe. Très bien joué. Faut te faire play. Même si on rage des fois, faut te faire play. Hop. Tac. Mais oui, tout va bien. Tout va si bien. Bonjour. Tu crois pouvoir m'attraper? Oh non. Oh putain. Oh, c'est un bon truc à la Mario 64. Oh mon dieu. Mario 64 qui fut le premier Mario en 64 bits. Non, je déconne bien sûr. De toute façon, je dis pas chaud. Et Vindy, je suis désolé les amis. Il est parti par où, saloperie? Je te vois. T'es pas crevé un peu là, à la fin? Non mais t'es pas crevé un peu? Mais je suis pas crevé, ouais même. Mais viens! Lapin de merde. Ouais, je me concentre là. Putain, mais viens là, lapin. Allez. Allez, sois sympa. Allez, je te colle là. Je te colle aux fesses. Je suis haut comme ça. Putain, non, vous êtes sérieux? Bon. Écoute, lapin de merde.
Vous avez vu, je vais... Bon, laisse tomber. Je vais sauter dessus, quoi. Salut! Et au revoir! Et merci! Voilà. Respect. Respecte un peu. Bon, mais c'est bien. Très bien, 30 étoiles. Bon, et puis quand je pense là, je vais choper 2-3 étoiles, ben 3 étoiles en l'occurrence. Puis après, je me laisserai ici pour cette session de tournage. J'en rattraperai 3, j'en ai chopé 2 en 3 en 9 là. Vous savez quoi, je vais arrêter l'épisode ici, hein, tant pis s'il sera un petit peu plus court. Tant pis, j'ai envie de dire, là je vais faire cette galaxie là. Bah ben, je vais terminer celle-là. Et je vais faire le premier de celle-là. Donc voilà, qui sera sympa. Puis comme ça, dans le prochain épisode, on pourra commencer tout simplement ce boss, ce avant-dernier, je crois. Ouais, avant-dernier, avant le tout dernier, donc voilà. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Malgré tout, un épisode plus court, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Et mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude. Allez, salut tout le monde.